Allô, salut chers amis internautes, nous voilà au niveau de notre huitième partie sur notre formation et portant sur la fabrication des enseignes lumineuses. Nous allons aborder aujourd'hui la question de la fabrication de la partie graphique de notre enseigne lumineuse. C'est le message que nous voulons faire apparaître aux yeux du public. Et pour réaliser cette partie graphique, j'utilise logiciel de saisie Word, peu importe la version que vous utilisez, ça peut marcher. Cependant, nous aurons besoin de télécharger et installer une police de caractère appelée Codistar que j'ai découvert personnellement sur Internet à travers donc mes recherches. Allons-y donc, nous allons nous rendre sur Internet. Vous ouvrez votre ami Google et tapez download Codistar ou télécharger Codistar. Voilà le résultat de la requête Google. Ensuite, entrez dans le site et cherchez donc le site 1001freefont.com et cliquez sur download pour télécharger la police de caractère. Extraire la police sur votre ordinateur, sur votre bureau par exemple. Ouvrez votre panneau de configuration. Cliquez maintenant sur Apparence et Personnalisation. Ouvrez la partie police de caractère. Il va falloir fouiller, chercher là où vous allez trouver. Je sais pas que ça soit différent en fonction de Windows. Donc, ouvrez la partie police de caractère. Maintenant, vous allez voir les polices apparaître. Glissez la police Codistar dans la partie police de caractère, donc à droite. Sur mon ordinateur, la police de caractère est déjà téléchargée. Si ce n'est pas encore le cas chez vous, cela veut dire que moi, je l'ai déjà. La police, cette police de caractère-là que j'aimerais vous montrer, moi, je l'ai déjà installée. Donc pour cette raison, je vais aligner donc l'installation de cette police. Vous pouvez donc l'insérer et ça va s'installer. Fermez ensuite donc toutes les fenêtres qui ont été déjà ouvertes à l'avance. En déroulant la fenêtre de police, on constate la présence de la police en question. Dans la zone de saisie maintenant, nous allons taper la lettre F. Sélectionnez la lettre et changez la taille à 300. Sélectionnez la police Codistar. Vous obtenez une lettre sous forme de LED que vous allez utiliser lors de la fabrication d'une enseigne lumineuse. Il vous reste seulement à imprimer votre lettre sur un papier donc au format A4. Nous allons générer des lettres de notre projet dans le message graphique affiché et boutique Sauti.
Chers amis, nous sommes à la fin de cette partie de notre formation. Nous verrons prochainement et dans une autre vidéo l'impression des lettres, le calcul de mise en page donc du projet, le perçage et la finalisation de la partie graphique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, également je vous invite à vous inscrire sur notre chaîne, c'est pour nous encourager à faire beaucoup de vidéos de ce genre. Ceux qui peuvent nous aider financièrement peuvent le faire via notre lien PayPal en partie description. Je vous invite également à partager, à aimer, à liker et à liker notre contenu, notre vidéo. Ceux qui ont des questions peuvent les poser en partie et commentaire. Merci, portez-vous bien et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Votre ami Mohamed Bahari Benoît depuis le Niger.